Alors que la cérémonie des Jeux Olympiques 2024 de Paris vient tout juste de débuter, Céline Dion a partagé un message sur Twitter quelques heures avant. Ce dernier était à destination des gendarmes. C'est le grand jour. Le début de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 de Paris a lieu ce vendredi 26 juillet, à partir de 19h30, sur les bords de Seine. Une soirée exceptionnelle à laquelle de nombreuses célébrités vont participer. Aya Nakamura, Juliette Armanet, Philippe Catherine ou encore Sofiane Pamart se produiront sur scène pour ambiancer le public et les téléspectateurs. Mais il y a personnalité que tout le monde attend avec impatience, Céline Dion. La chanteuse, qui souffre du syndrome de l'homme raide, a été aperçue à l'hôtel Monceau. D'après plusieurs sources, Céline Dion pourrait même partager la scène avec Lady Gaga. Céline Dion, sa voix préenregistrée pour sa sécurité. Elle bénéficiera, comme les autres chanteurs, du son immersif Dolby Atmos diffusé par des murs d'enceinte répartis sur 6 km le long de la scène, a rapporté Le Figaro. Mais ce n'est pas tout. Sa voix a également été préenregistrée par précaution. La scène est un couloir venteux. La pluie et la brise annoncées ne doivent pas empêcher le public d'entendre la musique. Pour Céline Dion, cette possibilité de playback devrait être une sécurité supplémentaire. Une façon d'être plus à l'aise psychologiquement. Trop d'émotions, de stress et un cerveau surstimulé sont des facteurs déclencheurs de sa maladie, qui l'a éloigné de la scène pendant 4 ans, a déclaré le média. Céline Dion publie un message étonnant sur Twitter. Ce vendredi 26 juillet, Céline Dion a d'ailleurs partagé un tweet sur X, anciennement Twitter, qui a surpris quelques internautes. Je suis tellement heureuse d'être ici avec vous cette semaine. Je tiens également à remercier chaleureusement les gendarmes locaux qui assurent notre sécurité, a-t-elle écrit. Mais sa présence à la cérémonie d'ouverture semble aussi en réjouir plus d'un. La façon dont elle remercie tout le monde, elle reconnaît toujours les personnes qui l'aident. Vive la reine! J'ai tellement hâte pour toi aujourd'hui ou encore ça fait chaud au cœur de te voir en pleine forme. Au plaisir de voir un rétablissement complet, peut-on lire en commentaire.